toi t'as fait le voyage de Montpellier jusqu'à Bordeaux. J'ai assuré la liaison. Ouais. C'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. C'était plus compliqué que ce que j'avais prévu. Contrairement à vous, tous les autres youtubeurs de cette aventure, ouais. Je suis pas très road trip moto, je suis très voiture. Ouais. Et écoute, j'ai pas eu mal au dos, j'ai pas eu mal au bras, la moto était surprenamment confortable. Et je suis content de la rendre aussi en bon état, ouais. Sans avoir rien cassé. Je suis content de la rendre à un pro en me disant allez, c'est plus ma responsabilité. Mais ça s'est bien passé et c'est pas mal hein, d'enquiller 600 km. T'as le vent, enfin c'est une autre fatigue, j'ai beaucoup aimé. Bon, maintenant c'est à toi de jouer. Tu pars de Bordeaux, donc d'Aquitaine de chez nous, et ouais. Tu vas où? Je m'arrête à Niort, ouais. Je m'arrête à Nantes. Ok. Et ensuite direction Vannes pour le rendre à Lord Puma du coup. Ok. Et Lord Puma qui arrive, il fait le terminus. Paris, donc c'est lui qui est censé burner sur les Champs-Élysées. Donc faut le voir dans nos vidéos, faut suivre les liens. Et bon bah c'est cool. Voilà. Bon bah amuse-toi. Bah, merci. Sois prudent. Et à la prochaine du coup. Et je surveille ta vidéo. Ciao. Ciao. Bon, comme je disais tout à l'heure avec Julien, j'assure le relais Bordeaux-Vannes. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un tour de France de youtubeurs. Donc en fait la moto part de Paris et on se fait un genre de relais en fait. À chaque fois on se passe la moto. Donc Julien me l'a amené et moi je l'amène à Lord Puma. Donc là je suis encore à Bordeaux, enfin aux alentours de Bordeaux. Je pars, je vais direction Niort ce soir. On dort à l'hôtel là-bas, j'ai une voiture qui me suit pour pouvoir filmer, faire des belles images. Peut-être que je parlerai un petit peu en roulant, peut-être pas, je sais pas encore. D'ici 3h, 3h30, je devrais être à Niort, je vais essayer de vous faire des belles images et voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, à toutes. How'd you make it so hard to let go? Bonded by the trauma, twisted by the lies. Left me for another, can't say I'm surprised. Train me till there's nothing, then you on the next. Sinking in your fangs into someone else's neck. If I could go back to that goddamn day, I don't know if I would tell me to run. Cause love had me blind to your true design. Even the devil knows how to have fun. If my heart goes cold and my soul goes black, then you win, that's what you wanted to do. Cause you suck the love out of everyone, try to make them just like you. You're a vampire, see the bloodlust in your eyes. On est bien arrivé dans la chambre d'hôtel, on a un peu traîné sur la route pour les photos, les vidéos et tout. Donc du coup, on s'est retrouvé à manger McDonald's. Parce qu'on n'avait pas le choix, tout était fermé. Très bien le top. Voilà. La chambre d'hôtel est vraiment sympa. On a une petite salle de bain ici et tout. C'est cool. Donc là on est à Niort. T'inspectes la lampe ou quoi? Ouais, c'est des LED. Je regarde l'éco-responsabilité de l'hôtel. C'est des LED ou pas du coup? C'est des LED. C'est des LED. Ils sont responsables. Ils sont économes surtout. Du coup là on est à Niort. Demain on devait aller à Nantes. Mais finalement l'hôtel est annulé. Donc je sais pas si on va prendre un hôtel ailleurs ou pas. Ou si on ira à Nantes. Ou demain. On verra bien. Donc voilà, là on va manger tranquille, on va dormir et demain matin on va à la piscine. Demain matin à 8h. Elle nous a dit à 8h on a le droit d'aller à la piscine. Il est passé de budget pour toi. Ouais. Moi ouais, y avait, ouais voilà, moi il manquait de fond. Ouais, on manquait de fond pour lui. Mardi matin, donc deuxième jour, on est à l'hôtel de Niort encore. Donc là, on part. On devait partir à Nantes et dormir là-bas en fait. Et finalement, on a changé de destination, on part à Saint-Nazaire. Donc on aura, je pense, de plus beaux plans. Ça va être vraiment sympa Saint-Nazaire, donc on va essayer de faire ça. Allez, aujourd'hui, j'ai mis le micro dans le casque, je vais parler un petit peu en roulant, ça va être un peu plus sympa. Et allez, c'est parti. Bon, le voyage se passe bien pour vous dans votre bolide de course? Ça va. Ça en une seconde? Ouais. Putain, froid, ouais. Ça doit marcher. À froid? Ça va. Ah, parce qu'à chaud après ça marche moins bien. Non, à chaud, ouais. Après à chaud, soit ça marche moins bien, soit des fois on s'envole. Il y a les ailes qui sortent comme ça, là. Transformers. Ah ouais. Ouais, 2020. T'as mis sans autoroute? Ouais, les mêmes paramètres. Ouais.
Combien de temps? 3h05. Bon, vas-y. Ben, on roule et si jamais on voit des spots cool, on s'arrête. Allez, vas-y. Bon, comme ça, aujourd'hui, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la moto aussi. Parce que bon, je vous ai fait des belles images, mais je vous ai pas trop parlé de la moto. Franchement, elle est vraiment pas mal. Alors, c'est une moto qui reste assez simple. Ça reste une 700 traceur. Il n'y a pas des options de fou, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Ça reste une moto qui est pas chère. Et ce qui me choque surtout, c'est putain comment elle consomme rien la moto. Je regarde, je suis à 3,6 litres de moyenne. Je l'ai réinitialisé hier, donc j'ai pas fait trop de wheeling et tout. J'ai vraiment roulé à peu près normalement, pour une fois. Franchement, ouais, 3,6 litres. Avant de la réinitialiser, elle était à 5 litres. Donc je sais pas comment rouler les autres, franchement, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Sinon, à part ça, la moto est ultra maniable. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un jouet. Franchement, j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment un jouet. Il y a énormément de vent. Je sais pas si vous allez vraiment bien m'entendre. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de vent là. On arrive en Bretagne en même temps. Les vautours, ils vont me haïr. Ah, c'est cool aujourd'hui. Il fait bon. Il fait pas trop chaud. Il fait 27 degrés quand même. Ah ouais, quand même, 27 degrés. Il fait super beau, il n'y a pas trop de monde sur les routes là. On va pouvoir se faire plaisir. Je vais aller par là, on va passer par le petit chemin vu que c'est un trail. Hop, allez go. Il n'y a pas de traction control, il n'y en a même pas besoin, franchement. Ça bouge, mais c'est ultra stable. Regardez, même si je mets du gaz. Oh, je me régale, putain. Ah, c'est énorme, gros. Je suis en fond de 3, là. Je suis à genre 120, 130. Il est où le drone? Comment ça marche sur de la terre, c'est impressionnant. Après, j'y vais vraiment comme un sauvage par contre. Bon, c'est l'heure de mettre de l'essence. 98 Excellium. Comme d'habitude, les gars. Bon, on a trouvé du 98 Excellium. C'est compliqué des fois parce que en campagne il y a souvent que du 95 E10 et même s'il y a marqué qu'on peut mettre, c'est très mauvais pour les motos, même pour les voitures d'ailleurs. 95 E10, les gars, c'est de la grosse merde. Ou si vous voulez mettre de l'éthanol, faites une reprog éthanol et c'est réglé. Mais ne mettez pas du 95 E10 dans vos motos. Bon, par contre, les Bretons m'en voulaient pas, mais putain, dès qu'on arrive vers chez vous, il pleut, les gars. Il pleut tout le temps, c'est abusé. Je me cache derrière la bulle. Ouais, je vais couper la caméra, les gars, parce que là, il va y avoir pas grand chose d'intéressant à voir. À part de la pluie. Et en espérant qu'à Saint-Nazaire, il fasse un peu plus beau, parce que j'ai quand même été là-bas pour faire des vidéos, quoi. Ça me ferait chier d'arriver là-bas et de pas pouvoir filmer parce qu'il pleut. Allez, je vous dis à toutes, les gars. C'était dur, la route. Oh. Elle était nulle, la route. Mais quand je vous dis nul, c'est nul. Les Bretons, franchement, pas ouf. Je me suis tapé la pluie, des lignes droites. C'était vraiment pas ouf. Donc là, on arrive à Saint-Nazaire. En vrai, ça a l'air cool. Il y a l'air d'avoir plein de trucs. C'est beau. Il y a l'air d'avoir plein de trucs et tout. Il fait pas très, très, très beau dehors. Donc on va aller voir un petit peu sur le port et tout, là, ce qu'on peut faire sur la côte. Et puis voilà, on va voir si on arrive à faire des belles images. Et vu le temps, c'est pas gagné. On est à Saint-Nazaire. C'est... En vrai, ça va, c'est sympa. On a une jolie statue. Alors, je ne sais pas du tout à quoi elle correspond. Mais je sais qu'elle est là.
Voilà, et je vais la filmer au drone. Il était nul à chier. Yeah, you moved on, now I'm fucking up my life and I'm trying to get my shit straight. Wish I could look you in the eye, bold face, and say that was a mistake. But truthfully, it'd probably be a stretch. I mean, look at you, you got everything you wanted. Living in the hills with your man, you seem to be doing great, if I'm being honest. Oh, les flics. Bon, donc là, dernier jour, on est mercredi matin. Enfin, matin, il est 11h et quelques. On va direction Vannes, rendre la moto directement à Lord Puma. Voilà. Bon, c'est cool. Aujourd'hui, il fait beau. On va tracer directement. Je vais faire vraiment juste quelques plans sur la route. Mais rien de ouf, parce que j'ai quand même pas mal de plans déjà. J'ai un peu beaucoup parlé quand même. Donc, j'ai pas envie que la vidéo dure 10 ans. Et voilà, en espérant que le résultat soit bien. J'ai toujours peur quand je fais une vidéo qu'il me manque des plans, que ça soit un peu de la merde et tout. Mais bon, en général, ça va. Il y a un truc que je crois que je vous ai pas dit hier. Je l'ai dit en story Instagram. Je crois que je vous l'ai pas dit. Hier soir, je suis parti filmer et je voulais des belles images de nuit et tout, avec le drone et tout sur un pont d'ici. Et je me suis dit, ah putain, ça peut être vraiment sympa de faire un beau plan drone pendant que je fais un wheeling sur le pont et tout. Et du coup, je l'avais dit en story, et il y a un mec qui m'a dit surtout le fais pas, il y a des caméras et tout machin, il t'envoie des amendes. Je fais bon, du coup, tant pis, on va juste rouler normalement, on va faire des belles images. Qu'on va au pont. Alors déjà, le drone c'était mort, les images sont pas vraiment exploitables parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et j'ai un Mavic Air, et pour avoir des plans de nuit, il aurait fallu que je prenne un Mavic Pro. Donc voilà, et du coup après je me suis dit tiens, on va aller en ville avec les petites lumières et tout comme ça, et on va faire des beaux plans de près et tout. Et on va en ville, et les flics sont arrivés en 3 minutes. Les flics nous ont vus en 3 minutes, ils nous ont vus sortir du toit au vent pour filmer et tout. Et du coup ils nous ont dit ouais, qu'est-ce que vous faites. Après c'est hyper cool. Mais du coup ils nous ont dit d'arrêter parce qu'on n'avait pas de ceinture, et forcément bah, quand on filme depuis une voiture, la plupart du temps bah, on n'a pas de ceinture. À moins d'avoir des véhicules vraiment dédiés à la vidéo, c'est assez compliqué de pouvoir s'attacher en filmant quoi. Donc du coup on n'a pas vraiment de plan de nuit, donc on va essayer de se rattraper avec les plans de jour tout à l'heure. On va essayer de trouver des petites routes où il n'y a pas grand monde, mais voilà, c'est toujours un risque. Quand on filme comme ça, c'est comme faire des wheelings sur la route, comme tout ça, mais voilà, on prend le risque, et si jamais on prend des amendes et tout, bah, on assume, et puis voilà, c'est tout. Hein. Ouvre l'application Coyote. Et voilà, c'est pas beau ça. Je travaille mon flow, je travaille mon fer, je suis devenu meilleur dans les affaires. Pour les contrats, je suis un littéraire. Mauvais contrat comme mauvaise fouille, tu sens la douille, repars bredouille. Je sors pas les boules quand on soulève les foules. Il y a 3 ans, tu me disais, t'es qu'à ma boule, t'arrêtes les cours pour faire du rap, mais jamais tu perceras. Maintenant, tu regardes toutes mes stories, mais le plus drôle, c'est que tu follow pas. Loin d'être rappeur insta, j'ai pas besoin de ça, j'ai déjà mon squat. T'inquiète, je te vois, tu parles de moi, tu me donnes un costume d'apparat. Je bouge pas d'un iota, vu que les haters sont tournés, puis ils sont armés. Puis il clique et mieux ils savent parler. Ça fait désir, j'ai le sourire du Joker. Un homme t'es sympa mais t'inquiète, j'manque pas d'air. Atome instable comme si son nucléaire a deux doigts d'explosion comme les rues sont solaires. Hey, yeah, au-dessus de la concu, on les graille. Ouais, t'inquiète, tu seras pas déçu. On construit des OL, on se prépare à la soirée. Notre équipage est au sommet, t'inquiète, l'album. Voilà, on va rendre la moto à Lord Puma. Il devrait déjà être là-bas, je pense. Il est 15h30. Je dois la rendre
à 16h normalement. On est un tout petit peu en avance. Bon, on a mis le plein, petit lavage comme ça, alors plus mal, alors la moto propre pour partir. Et puis voilà. Hein. Tiens, c'est Lord Puma ça. Voilà, je le reconnais. Je le reconnais. Ah, il filme direct, gros. Il a pas dormi, lui. Hein. Ça va, toi? T'as fait bonne route? Ça va, nickel. Alors, attendez, parce que là, les gars, on a quand même speed bike qui a quand même la moto entre les papates. Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé? Non, ça va. C'est de l'usure, ça. Non, mais ça, c'est ce que c'est. Moi, ça, c'est les bandes de peur. C'est une pièce d'usure, ça. C'est des pièces d'usure, c'est les bandes de peur de la plaque. Bon, je termine la vidéo en voix off parce que j'ai eu un petit souci de micro. Donc, j'ai rencontré Lord Puma, j'ai pu discuter avec lui, il était vraiment super sympa. Je lui ai remis la moto en presque bon état parce que, bien sûr, il a dû changer la plaque d'immatriculation. J'ai même essayé un salto sur la moto pour la fin de la vidéo. Je me suis un peu loupé, c'était vraiment pas terrible, mais bon, au moins je l'ai tenté. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Julien Gauger qui a fait le relais juste avant moi, et bien sûr de Lord Puma à qui j'ai rendu la moto. Je remercie vraiment Yamaha France de m'avoir invité sur l'événement. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à rouler cette moto, à faire la vidéo. C'était pour moi aussi la première fois que j'allais en Bretagne. Donc on n'a pas forcément eu un super temps, mais c'était vraiment sympa. Merci à ceux qui sont encore sur la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les gars. J'ai la niaque, j'ai la rage de bien faire. Je travaille mon flow, je travaille mon fer. Je suis devenu meilleur dans les affaires. Pour les contrats, je suis un littéraire. Mauvais contrat comme mauvaise fouille. Tu sens la douille, repars bredouille. Je sors pas les boules quand on soulève les foules. Il y a 3 ans, tu me disais t'es qu'à ma boule, t'arrêtes les cours pour faire du rap, mais. Jamais.